Bonjour, je suis Aurore, coach en orthographe. Ah, et bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore. Ah, mais vous avez l'air heureuse, hein? J'ai un rendez-vous galant. Oh, c'est pas vrai? Oui, j'ai fait sa rencontre sur un site. Ah, intéressant, ça, c'est... Alberto? Ah, ouais, c'est italien. Architecte? Bon, bah... Ah, ça, c'est bien. Ouais, c'est bien. Voilà. 83 ans? Ma petite leçon aujourd'hui portera sur le verbe pallier. Nous ne disons pas pallier à quelque chose, mais pallier quelque chose. Oui, pallier est suivi d'un complément d'objet direct. Tout à fait. Vous le saviez, ça, Jean-Jacques ? Oui, oui, oui. Ah bah, je peux vous donner un exemple. Aurore pallie son grand problème de solitude en s'inscrivant sur des sites de rencontres. Et voilà, exactement. Pour grabataire. Excusez-moi, j'ai reçu un texto. Ah, alors, il annule, c'est ça ? Il annule. Ah, le salaud. Ah, le salaud, hein. C'est son infirmière. Hein ? Il est mort cette nuit, il a fait une embolie pulmonaire. Du coup, c'est annulé. Bah oui, Jean-Jacques, c'est annulé, bien sûr que c'est annulé, évidemment. Il est mort. Bon, ma petite leçon, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine déception. Pour une prochaine leçon. Jean-Jacques. Oh, j'ai vraiment pas de chance. Il doit être bien là où il est. Ah bon, vous pensez? Oh, bah oui, oui. J'ai tout fait dans ces clairs. Oui.